Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant tout, voici les principaux titres. Le gouverneur AI de la province du Kwilu, Félicien Kiwai, a présidé à Bandundu la 8e réunion du comité de pilotage du programme PIRED. Début ce samedi 27 avril 2024 de travaux de lutte anti-érosive dans la commune d'Enzinda. Monsieur Serge Moussila, qui a lancé ces travaux, appelle le bonne personne à leur venir en aide pour décanter cette situation qui dérange pas mal sa population. L'on prendra également les actualités phares de l'Afrique monde, le free de nos confrères de VO Afrique. Mesdames, messieurs, ça sera tout pour les titres. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité après un tête-à-tête de plus de 10 heures entre le président Félix Tshisekedi et le chancelier fédéral Olaf dimanche à Berlin en Allemagne. Leurs délégations respectives ont eu une réunion de travail au cours de laquelle elles ont planché sur la coopération bilatérale et économique entre les deux pays et la crise sécuritaire qui demeure très préoccupante dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula nous fait le point dans cet élément. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous, nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signé avec le Rwanda alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre, la France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le premier citoyen du Kwilu, Félicien Kiwai, vient de présider à Bandundu la 8e réunion du comité de pilotage du projet PIRED Kwilu, un volet du programme RED Plus qui lutte principalement sur la déforestation. Dadou Ekion pour la suite. Le gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, a présidé à Bandunduville la 8e réunion du comité de pilotage du projet PIRED Kwilu, qui est un volet du projet d'opérationnalisation du système national de surveillance de forêt et des activités pilotes de RED+. Au cours de ces 8e copiles, le ministère national de l'Environnement, les fonds FONARED qui appuient ces projets et l'agence de coopération japonaise internationale qui en exécute à travers leurs représentants, en tour à tour saluer la tenue de cette réunion présidée par les gouverneurs de province après un arrêt brutal des activités orchestré par un malentendu entre un agent au projet et la JICA. En sa qualité de gouverneur et président du comité de pilotage, le gouverneur Félicien Kiwai, dans son mot d'ouverture de ses assises, a exigé à la JICA de se référer toujours au gouvernement provincial pour tout goulot d'étranglement lié à ses projets et a souhaité faire la ronde dans tous les coins de la province pour sensibiliser davantage la population sur l'appropriation du projet PIRED Kwilu. Au cours des travaux techniques de ces 8e copiles, les participants, après plusieurs présentations des activités par M. Kuno, chef du projet, et M. Augustin de l'équipe du projet, sont arrivés après échange houlé à valider les plans de travail pour l'année 2024 avec addendum approuvé et augmentation supplémentaire des fonds de la JICA. Au terminus, le gouverneur Félicien Kiwai a rassuré davantage à la JICA de la sécurité qui règne au Kwilu et a invité les uns les autres à travailler pour l'intérêt supérieur de la population à travers ses projets. Au regard de ce qui précède,
Je voudrais, en tant que garant de la sécurité dans la province du Kwilu, rassurer à la DICAT que la province du Kwilu, n'ayant été impactée par l'insécurité de la province voisine de Maïndombe, n'a pas de germes de conflit et ne présente aucun risque d'insécurité tant pour les partenaires que pour toute la population du Kwilu qui vague librement dans ces occupations. Une descente sur terrain a été effectuée après ces coups de pile pour palper du doigt les effets du pire de Kwilu et sensibiliser davantage la population. Et dans le reste de l'actualité, le député national élu de Kikwita, Seforia Mungala, annonce son arrivée dans sa ville natale. Dans un futur proche, il sera question pour lui de dire un grand merci à ses électeurs pour la confiance placée à sa modeste personne et pense par la même occasion qu'il va profiter pour prendre le souci majeur de sa population pour en faire un lobbying efficace. Dans cet élément. Je me prépare d'ici avant la fin, il y a mois, pour venir vous dire merci, maman, jeune, je serai avec vous d'ici 2 ou 3 semaines déjà. Ça, je vous remercie de vous retrouver. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Rendons-nous encore à Kinshasa, la capitale congolaise, pour prendre cette actualité. C'est désormais connu. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale aura lieu ce mercredi 8 mai prochain. Le président du bureau d'âge, Christophe Mboso Nkodiampuanga, vient de signer la décision numéro 003 du 27 avril 2024, fixant ainsi le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les documents ont été lus par la députée nationale Nzuzi Umba Persi, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs de la presse, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a une grande annonce à vous faire. L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneur, d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossiers de candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage de listes de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai.
Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrécevable. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Ça fait débat sur les réseaux sociaux, surtout dans le groupe dit la ville de Kikwita. C'est les dossiers vente de parcelles dans la ville de Kikwita. L'honorable Sanforien Mungala brise enfin son silence et condamne avec la dernière énergie cette vente illicite. Il appelle par la même occasion les intéressés à ne pas acheter car ils seront le perdant. L'honorable l'homme aux actions palpable promet de ne jamais laisser sa population à son triste sort. Je vais vous saisir la bande de Mingimébingamounou concernant la situation d'aliénation de terrain à l'État, de vente de terrain à l'État avec Salama. Alors, hier, j'ai contacté le maire de la ville, Mingimébingamounou Mazono. J'ai longuement discuté avec lui. Je lui ai posé la question pour savoir ce qui s'est passé. Il m'a répondu, selon Yann Yametoubandé, il y a une beaucoup tout sur ma parcelle, il y a que Tekamaokel Vounou, et que ce qu'il reconnaît lui seulement, qu'il y avait un contrat entre mairie Tiprof Kubata qui stipulait que mairie Yoloma Opesa, 5 parcelles. La prof Kubata, que prof Kubata à son tour devait donner un camion ben et un tracteur à la mairie. Mais il précise aussi à Nmoche, dans Otomande, arrêté, il n'en a jamais été exécuté. Alors, Moulomba Gayan Imazon, a tiné la mouna arrêté, il n'a et qui a autorisé une tête de mairie coupée sa 5 parcelles na prof Kubata. Alors, jusqu'à présent, je suis en train de me dire que je n'ai pas existé, je n'ai pas je ne sais pas. Mais du moins, je suis en train de me dire que je suis en train de très, très près. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de sans nord. Maintenant, je suis en train de réunir les gens. En attendant, moi, ça appelle la population qui coûte une nuance. Vous avez des gens qui sont engagés, qui sont sur le terrain, il y a l'État. Peu importe où, puis même si vous mettez un bicycle, un plateau, une vie, vous avez des gens qui sont perdants. Pourquoi? Parce que, quand il y a une base de moche légale, jusque-là, il y a qui est autorisé à pratiquer. Donc, moi, je dis que la population qui coûte une nuance très vigilante. Et la population qui coûte une nuance, c'est pour intéresser la sens, non? À Zabandé, nous sommes dans une démarche telle que, en marche, nous avons les évidences et les preuves. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le bourgmestre de la commune d'Enzinda, M. Serge Moussila, a lancé le week-end dernier le débit des travaux de lutte anti-érosive dans sa juridiction. Pour cette première phase, les ravins Sainte-Marie-Sankourou est donc la cible. Christiane Akatala pour le reportage. La journée du samedi 27 avril 2024 a été marquée dans la commune d'Enzinda, ville de Kikwite, par les débuts des travaux anti-érosifs au caniveau du quartier Sankourou. Une façon de freiner la progression de ces ravins qui, du jour le jour, détruit davantage ces caniveaux. En vue de s'enquérir davantage de ces phénomènes, combien choquant est de superviser ces travaux, le bourgmestre de la commune d'Enzinda, visionnaire et initiateur de cette opération, a effectué ce même samedi 27 avril une descente sur place. C'est le début des travaux, mais pas la fin, car ça demande trop de moyens, financiers comme matériels, pour faire face à cette catastrophe. Aux ressortissants de la commune d'Enzinda, à la diaspora kikwitoise, aux élus nationaux et provinciaux de Kikwit et autres personnes de bonne volonté, il est temps de venir en aide la commune d'Enzinda. Nous lançons un appel auprès de la population, auprès de tout le monde, qu'il soit Kinshasa ou ailleurs, afin de nous accompagner, de nous assister d'une façon financière et matérielle aussi, parce que ce fléau risque de nous surprendre. Donc nous risquerons de perdre beaucoup de maisons. Imaginez actuellement, quelqu'un qui a acheté sa parcelle, mais suite à l'érosion, il risquera de perdre sa maison. C'est donc pour laquelle nous lançons cet appel, afin que tout ce monde-là puisse nous accompagner. La construction proprement dite de ces caniveaux, c'est la prochaine étape après celle lancée ce samedi, appelée travaux de lutte anti-érosive, indique l'ingénieur Papi Ifissi. Nous avons la construction mécanique d'abord. Là, nous entamons la lutte anti-érosive. Donc, nous devons éviter les éboulements afin que la progression du ravin soit calmée. Lorsque le ravin s'est calmé, maintenant, il y aura balisage
du ravin, puisqu'il y a des écroulements, il y a des talus qui sont en dessous de la terre là-bas, au bas-fond. Il faut baliser maintenant ces sillons érosifs afin d'évacuer tous ces ciments qui sont écroulés, afin de ramener maintenant les talus libres construits maintenant avec la maçonnerie. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Après la BBC et la Voix de l'Amérique, le Burkina Faso a suspendu la télévision francophone TV5 Monde pour 2 semaines, ainsi que plusieurs sites d'information étrangers jusqu'à nouvel ordre. Ils sont tous accusés d'avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée de tuerie. Les Togolais votent ce lundi pour élire 113 députés à l'Assemblée nationale, mais aussi pour la première fois 179 conseillers régionaux qui désigneront, avec les conseillers municipaux, le Sénat nouvellement créé. Il reviendra désormais aux députés et aux sénateurs de choisir le président de la République. Des décisions sur les modalités de retrait des troupes américaines du Niger seront annoncées dans les prochaines semaines par les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré lundi à Abidjan le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique lors d'une conférence de presse. Au Kenya, au moins 42 personnes sont mortes après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi, a indiqué le gouvernement local, alors que le pays est balayé par des pluies diluviennes. Ça sera tout pour cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici les rappels des principaux titres. Le gouverneur AI de la province du Kwilu, Félicien Kiwayi, a présidé à Bandundu la 8e réunion du comité de pilotage du programme PIRED. Début ce samedi 27 avril 2024 de travaux de lutte anti-érosive dans la commune d'Enzinda. Monsieur Serge Moussila, qui a lancé ces travaux, appelle le bonne personne à leur venir en aide pour décanter cette situation qui dérange pas mal sa population. L'on prendra également les actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Mesdames, messieurs, ça sera tout pour les titres. Fin complète de cette édition du journal, réalisée par Brice Bouka. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.